Hey yo, salut à tous, c'est Keez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du PVP avec la classe Yop pour jouer un petit mode distance Terragi, donc pas à la IK cette fois-ci, mais avec un corps à corps, un corps à corps pendant fort ancien qui est la branche de l'Abracleur Clair. Donc un CAC Terragi qui est assez bas level. Là, on va affronter Mistigri. Mistigri, un Yop multi, cocu, triton. Ça, il n'y a pas à chipoter, ça se voit clairement, c'est même dessiné sur son doux et beau visage. Hein. 5000 de vita, 70 esquive PA. Il n'y a pas photo, je pense qu'on est clairement orienté sur ça. On va se claquer la maîtrise. Dans tous les cas, je pense qu'on pourra la poser sans aucune difficulté. On va se mettre en retrait. Mystery, que nous fait-il de beau? Il se rapproche, sûrement un bon pour venir nous choper au contact. Ça peut se concevoir, hein. Il joue peut-être avec un Dofus nébuleux. Turquoise, ocre. Non, son ébus. Très bien, sans nébuleux, pourquoi pas. On va mettre ce petit canal de combat. C'est quoi ça? Puissance. Je valide. Colère du Yop. On en est là. Ok. Moi, comme je joue en mode distance multi, bah j'ai aucune difficulté à faire quelques petits sorts assez sexy. Comme celui-là. L'épée du jugement qui tapera de 500 à 1000 en 4 CC. On a quand même 79% de chance de crit, donc on a de quoi se mettre bien. Sauf si ça ne crit pas comme on le voit. Ah, je préfère quand ça se passe comme ça. Là, on est bien. Ok. Ce Yop. Il a la puissance. Donc, il y a fort à parier qu'il va nous bon sur la gueule. Ça, c'est couru d'avance. Il a une vita. Oula. 3 tours. Ok, il la perdra T5. On a juste à tanker. Mystigri, ce doux Yop. Après, juste à le souffle. Je fais pivoter à côté. Et je suis bien. Juste mettre un coup de yak et on peut le péter. C'est quoi ça? Concentration. Un coup d'âge stéroïde. Oh là là. Oh les bons vieux bails. Oh les bons vieux bails qui ressortent. Ok, très bien. À nous. On va lui mettre un coup de cac. Nous aussi, on va lui montrer qu'on en a. On en a aussi. Du gros cachet. Par contre là, je fais des épées de diable. Ça passe. Ça reste sexy. Ça reste mignon. C'est joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite intimidation. Moins 637. La deuxième intimidation, moins 675. Et là, on va mettre une épée de Diop et on le tue et on le dégage. Du coup, on enchaîne sur un deuxième combat. On enchaîne alors sur un deuxième combat face à un Cracory. Hein. De toute façon, on connaît les boys. Hein. Crapaud de greffe, ça, tout ça. Donc, on va se prendre quelques dommages faciles. Ouais, on va se prendre plein de dommages gratuits dans le visage là. Sans trop qu'on puisse riposter. Donc on va se booster et faire notre petite life, je pense. Ouais. On va se booster, vitalité, maîtrise d'armes. Ça peut être pas mal du tout. On va se mettre ici. Ça fait un petit peu caché. Ça peut peut-être nous mettre un peu bien. Archer et pop, 12-6. Qu'est-ce qui va nous faire de beau? Enflammé, enflammé. Je présume. Histoire de nous dégager un petit peu. Ok. Hop là, petite pause, j'en profite juste pour vous dire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes et ça aide énormément, donc n'hésitez pas à le faire, ça mange pas de pain. Et sur ce, on reprend tout de suite. Harcelante, harcelante, maintenant, histoire de diversifier un peu son gameplay, qui sait. J'ai la puissance, donc on va jouer sur la divine, ça me fait un peu chier, non le détour c'est pas ouf. On va jouer sur la divine, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais je pourrais mettre des jugements. Les jugements qui vont permettre de faire quelques dommages, donc on va pas dire non à un sort aussi gratuit. Clairement, sachant qu'il n'y a pas de résistance, ça peut que nous mettre bien. Donc hop, petite puissance. On va faire le jugement x2. Ça va faire de bons dommages en plus, 500. Et bon, c'est vrai que si ça crit pas, ça peut pas tout faire. Ça va pas se mentir. Par contre, le seul bémol, c'est que là, j'ai pas mes divines. Donc sans mes divines, je suis un peu perdu là. Je fais pas de gros dommages bien. Bien, bien fou. Ah putain, il va mettre pesanteur. Aïe, 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 aïe. Ah là, on a la droite à la flèche écrasante. Immo, immo, je présume. Flèche percutante, ok. Est-ce qu'on peut bouger ça, tiens? Ouais, on peut l'inti au cas où. Ok. Oh putain, la flèche glacée. Oh là là. Horrible, 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 horrible. Putain, ah. Yes, bah GG. Hein. Quel plaisir. Ok. J'étais pas sûr. Putain, je. En plus, si je mets un coup de cac, on va mettre le coup de cac histoire de. C'est vrai que ça coûte 4 PA, bah oui. Bah oui, putain, suis-je bête. J'ai oublié cette histoire. Bon, tiens, une intimidation. Une vitalité. Hein, oui, une vitalité.
va plutôt faire une vitalité. Il se proc un petit coup d'ébène. Ok, sûrement une représailles sur notre vis, enfin sur notre doux visage. Look, j'ai pas mis endurance. J'ai gardé ferveur, je crois, à cause du. Si j'ai endurance, tiens, j'ai juste pas mis le sort dans la barre de sort. Donc on va se mettre ça là. Donc voilà. On s'est bouffé quoi. Une flèche glacée, 2 P en plus. Ok, sûrement une flèche d'immo. Flèche percutante, très très bien. Pourquoi pas. On devrait pouvoir le toucher sans trop de difficulté. Donc tant mieux. 7 PA. Ça va faire le café. Excellent. On va lui mettre un petit coup d'anneau destructeur. Le rapprocher vers nous. Un coup de cac 100% CC. 800 de dommages. Et il se proc l'ébène. Et il claque. Du coup, on enchaîne sur un troisième combat. Cette fois-ci, on va affronter un Yop. Donc Prodiway, un Yop qui joue je ne sais pas quel élément. Mais qui a 0% neutre. Donc un Yop terre. Colère du Yop, tous les Yop que j'affronte aujourd'hui, j'en affronte vraiment pas mal pour le coup, jouent tous avec la coco. Je sais pas ce qui s'est passé durant la nuit ou depuis Temporis. J'ai dû louper un truc, peut-être un Airframe PA ou quoi, mais ils jouent tous avec. Alors pour quelle raison, ça je ne sais pas. On m'a vite voir, mais franchement, assez incroyable. Je sais pas qu'il y en a autant qui jouent avec ça. Putain, il a 22 d'esquive PM. Oulala, mais attendez, il y a moyen de faire un truc cool là. Il y a peut-être moyen de lui casser les couilles à ce camarade là. Endurance. Maîtrise. Ouais. On va vers ça, on va lui casser les coucougnettes. Hop là, moins 3 PM. Ah, l'addition est salée là. Ah, c'est sûr, t'as pas d'esquive PM, frérot. Moi je suis là pour mettre bien. On va se mettre ici un petit peu en retrait. On va juste décaler ça. Est-ce qu'il joue qu'un ébu? Non, il joue sans nébuleux. Et il va pas se cacher à chaque fois quand même. Puissance, vitalité. Moi, ça me dérange pas. Je tue à petit feu s'il faut. Hein. S'il faut, je tue à petit feu. Hein. On va faire puissance. Tac, divine. Tanné. Épée de Diop. Voilà, on va le dégager. Hein. On va jouer petit à petit. Chillax et ça fera l'affaire. Hein. On va se mettre en retrait, sachant qu'il a la coco, donc j'avais aucun intérêt à m'exposer. 3 PM. Moi, ce que je veux, c'est mettre un coup de corps à corps, mais si Prodiway ne s'expose pas, on va clairement pas lui rentrer dedans. C'est quoi ça? Ok, Pediop. En termes de dommages, c'est pas le truc le plus folichon du monde. C'est quoi que. Si, ça reste quand même assez potable. Ouais. J'étais mauvaise langue. On va lui glisser un petit coup de corps à corps dans la nuque. Moins 926. Ça nous rajeune un petit peu. Il proc la voie terre. Donc, ça, parfait. 2800 HP, est-ce qu'il a une vitalité? Il a une vita, peut-être qu'il va se la relancer et reculer. Ça se peut tout à fait. Nous, on va perdre notre petite divine. Il va s'exposer, même pas plus que ça, tiens. Ok. Alors. On en est bu haut. Bon, faut qu'on tape. Dommage, je sais que c'est chiant, ça peut en frustrer plus d'un que je passe ce sort sur le petit Ivoire. Mais je suis désolé les gars, mais c'est ce qui fait le plus de dommages. Donc j'ai pas le choix. Ensuite, on tape pas mal. Oulala, mais attends, mais il y a moyen de le défoncer en fait. Épée du Yop, et on one shot. Je sais même pas pourquoi je vais chercher à voir agir en fait. Aucun intérêt. On tue ce petit Yop, et ce que je voulais vous proposer, c'est qu'on aille directement regarder un petit peu ce stuff. Alors, en ce qui concerne le petit stuff, on est sur quelque chose de très basique qu'on a déjà pu voir. Donc on peut déjà remarquer une petite, un petit sac torqué Lonea. Donc nous avons le double item torqué. Sac et coiffe. Après, la full strigide, donc c'est un stuff terragique que j'utilise très très souvent. Après, la nopa de greffe avec la bague Glourson. La branche de la braqueur claire. Donc c'est un CAC 132 comme on peut le voir. 4 PA, 2, 5 en portée. 7 à 16 de dommages x2. Avec une petite ligne de vol de vie terre. Après, bon, le jet il est éclaté. J'ai vraiment pris un jet en HDV le moins cher possible. Donc c'est pas la chose la plus ouf. Ensuite, nous avons les Sidophus avec un petit co-culte, et après bah, en stats on est sur du 500 d'agi, 567 de force avec environ 300 de puissance et 74 de CC. Donc on va se faire un petit tour de jeu très basique, simple et efficace à base de full boost. Donc puissance, maîtrise, hop, on se met bien cousin. On va se faire aussi le petit boost de la cumu, histoire que je puisse vous montrer les dommages que l'on peut proposer avec. Le coup de cac, on est sur du 1674 à 2122. Donc pour lui 100% de CC, clairement, ça fait le café, ça fait de très très bons dommages. J'aurais pu le booster avec un petit coup d'ébène, je pense que c'est même ce que l'on va faire. L'accumu 941 à 1302. Après, nous avons le zénith, bon, il n'est pas boosté en max parce que j'ai utilisé un PM. La tannée, l'épée de Diop, tout ça. Donc on va mettre un coup de cac, et là, on tapera du coup de 1236 à 1333.
Donc ça fait franchement de bons petits dommages, sachant que le cas coûte seulement 4 PA. Donc vous pouvez faire à tout moment un bon. Merde, c'est pas du tout bon ça. Vous faites un bon comme ça, vous voulez rusher la personne, vous mettez un coup de cac, hop hop hop. Il vous restera du coup 3 PA. Après, 5 PA, là c'est juste parce que j'ai le depuis socre. Après à tout moment vous faites un nœud destru, une anti. Ça fait clairement le café. Donc voilà, c'était la petite présentation rapidos, tout ça, tout ça. Du coup, c'était Keys. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.